Allô SF. Bonjour ou non, alors non, pour ce Flash Allo spécifiquement, je vais me dire oyé oyé pour rester dans le thème. Le titre a déjà peut-être un peu donné la cadence, hein, la couleur. Aujourd'hui c'est un Flash Allo relativement court, mais pour autant pas si anodin, pas si il est assez intense, puisqu'il va parler de la saison 8 de la MCC. Et autant la saison 7, c'était la saison des élites, et on va dire c'était pas ça tombait pas comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ça paraissait logique qu'un jour ça vienne. Par contre, cette fois-ci, cette saison 8 qu'on appelle, enfin que 343 a appelé mythique, vous voyez à l'écran. C'est un thème un peu particulier, puisque c'est le thème un peu des chevaliers, hein, de la chevalerie en règle générale, étant donné qu'en fait, pour une fois, les gros éléments, les gros nouveaux éléments de cette saison 8, donc, vont être des éléments, encore une fois, de customisation, plus précisément d'armure, et un petit peu de skin, et aussi des nameplates, comme vous l'avez vu juste avant. Mais c'est essentiellement des armures, et pas n'importe lesquelles, puisque, encore une fois, vous le voyez, on a affaire à des armures qui n'ont pour le coup rien à voir avec des Spartans tels qu'on les connaît dans Halo depuis Hyperpète. Là, c'est le côté vraiment chevalier à l'ancienne, hein, littéralement. Alors, de la chevalerie, il y a plusieurs époques. Il y a l'époque féodale, il y a l'antiquité romaine, il y a aussi tout le folklore un peu nordique, viking. C'est une tentative, hein, ils l'ont dit eux-mêmes, 343, c'est une tentative de leur part. Ils sont dit, ils l'ont pas dit comme ça, mais moi je le traduis aussi comme ça, c'est Halo Infinite arrive très bientôt. Halo Infinite va être un jeu en free-to-play et en jeu à service, donc on va y ajouter un tas de choses. On sait déjà qu'il y aura l'armure samouraï, enfin, j'ai plus son vrai nom, c'est Shinobi, je sais plus son nom, mais vous avez compris. Et je pense qu'en fait, en effet, c'est un test pour savoir si vraiment ils prennent la température, quoi. Et ils se disent, est-ce qu'on pourra vraiment aller encore plus loin avec Halo Infinite, ou est-ce que tous les joueurs vont nous faire caca sur le visage. Alors moi, je vais pas forcément donner mon avis, parce que c'est pas le but, même si vous vous en doutez que je trouve ça un peu... C'est particulier, voilà. Les armures, franchement, sont belles, mais avoir ça dans du Halo, tu sais, il faut quand même prendre un bon pas de recul en mode, ok, donc c'est dans Halo, ça. C'est particulier, mais au moins, ça a le mérite d'être original, hein, 343. On va dire qu'ils prennent des risques et on peut pas leur reprocher ça. Et donc voilà, en tout cas c'est là, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est là. Donc grosse nouveauté de cette saison 8, et pas des moindres. Et quand même, pour finir sur un truc peut-être un peu plus classique, je le précise quand même parce que je l'ai pas dit, ces armures là seront disponibles à la fois pour Halo 3 et Halo Reach. Alors a priori Reach, si j'ai bien compris, ce serait juste les casques, alors que les armures seront complètes pour le Halo 3. Je crois que c'est ça, si j'ai bien tout compris, tout vu, toutes les infos. Et comme dernière info que je peux vous livrer aujourd'hui, c'est une nouvelle map. Alors nouvelle, oui et non, parce que les joueurs d'Halo 2 la reconnaîtront certainement, mais c'est celle que vous avez donc à l'écran qui sera rajoutée à Halo 3. Donc on a enfin une nouvelle map un peu dans un milieu un peu arctique, comme ça, glacial, puisqu'effectivement, on n'en a pas beaucoup sur Halo en règle générale et même sur Halo 3. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une map avec un peu ce genre d'ambiance. Même si on est en plein été, bon, écoutez, eux aussi, ils aiment bien Noël, évidemment, ils ont aussi hâte d'être à Noël. Je suis pas le seul à aimer cette fête, c'est tant mieux, à la rigueur, c'est tant mieux. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, je pense que les images ont parlé d'elles-mêmes. Maintenant, moi, je vous dis, comme toujours, à très bientôt pour d'autres news qui seront peut-être, pour le coup, pour les prochaines, plus sur l'Infinite, je suppose, l'avenir nous le dira. D'ici là, préparez-vous à l'arrivée de la saison 8, hein. Sortez vos épées, sortez vos fourreaux, sortez vos montures, hein, au bout d'un moment, parce que normalement, là, on est dans le thème. Et puis, préparez-vous à ce que ce soit la guerre, hein, voilà, à croiser le fer. Ok, on fait ça? Allez, bisous, bisous, et ciao, bambino!